ערב טוב. ערב טוב. C'est lié au virus, Amos, ou rien à voir? Non, c'est pour mon asthme là et Ah. etc. Ouais. Ouais. Des fois, c'est les mains. Merci tout d'abord. Alors, on Quand écoute tu te un fais peu. vacciner, alors quand tu t'es vacciné? Non, j'ai une prise de sang mercredi et la vaccination, c'est le vendredi. Ah. Vacciné vendredi, Bezat Hashem. Bon, en général, les Israéliens, vendredi, ils veulent pas travailler. Oui, mais avec le Seger, là, très loin, là. Bon. Il y a vraiment un Seger là. Seger à partir. Oui. Mais Oh, on. personne ne travaille, personne, pas d'école. On ne le sent pas. Non, je ne sais pas. C'est un Seger un peu bizarre, quoi. À Pourquoi? partir de 5 heures, normalement, tout le monde doit être chez lui. Ah, Et mais ils même. travaillent les gens, là. Hein? Les gens travaillent. Oui, pour ceux qui travaillent, peut-être ceux qui doivent travailler. Ils peuvent aller au travail, je crois, mais il y a des choses qui sont fermées. Les messages d'autres, les restaurants, tout ça, c'est fermé. C'est normal. Okay. Et les écoles, ils peuvent aller jusqu'à. C'est un peu bizarre, quoi. Même, par exemple, chez moi, je ne peux pas avoir des gens qui ne sont pas, qui sont pas notés pour être chez moi, quoi. J'ai compris. Voilà. Bon, Toute la très bien. journée. On s'arrêtait d'enflammer tête à Mouchini en bas de la page de ligne avant la fin du Hamoud. Et aujourd'hui, on doit faire le DAF même. Allez, on y va. Amar Abashi. Le Didi Amali est mort. Aou Batavia Lam Itsude Itsin. Moi, Amemoul m'a dit que ce Svi-là, cette gazelle-là, là où Itsude Itsin, c'est pas qu'il a été chassé. Non, dans l'histoire, je vous rappelle que l'histoire, il y avait une histoire entre Rav Nachman et Rav Chaya d'un côté et Rav Chichet de l'autre côté. On avait chassé un sévi le premier jour de Yom Tov et on l'a amené dans la maison du chef de l'exil. Le deuxième jour de Yom Tov, ils l'ont fait la shrita. Rav Nachman et Rav Chaya, ils ont mangé de cette shrita-là et Rav Chichet, il ne l'a pas mangé. Donc hier, on a vu une version, cette version de l'histoire-là. Et on avait posé la question à Rav Chichet, comment ça se fait que tu ne manges pas? Et finalement, on a conclu que Rav Chichet aussi, il était d'accord que il a demandé à Rav Rabbi, comment il s'appelle, Rabab, Rabba Bar Shmuel, et lui a posé la question, est-ce qu'il a enseigné quelque chose au sujet de au niveau des Kdushot de Yom Tov, et lui a répondu, Rabbi aussi, il est d'accord que Shniyamim Shotovim Shel Galuyot, que ça s'appelle de Kdushot. D'accord? Alors, Agave, hier, je vais poser une question. Pourquoi n'a pas introduit Rabbi Yehuda dans la Mishnah? Juste, je viens de m'en rappeler maintenant. J'ai revu par la suite. C'est pas une kusha du tout, hein. Pourquoi on n'a pas cité Rabbi Yehuda dans les quatre hafamim que Rav, il a cité dans la Flametret à Mouchini? Donc, c'est pas du tout une kusha. Parce que, en fait, Rabbi Yehuda lui-même, on a vu dans la Braïta, oui, il pensait que c'était sa fête. Au sujet de Yom Tov et Shabbat qui se suivent, ça fait Kdusha Ara, ça fait Kshter Kdushot. C'est uniquement au niveau de Rosh Hashanah qu'il pense que c'est deux Kdushot. D'accord? D'accord, etc. Donc la question, elle ne commence pas du tout. Très bien. Comme je me suis rappelé, je vous l'ai dit. Donc Amar, Vachil et Didier, maintenant la Gemara va rapporter une autre version de l'histoire entre Rav Nachman et Rav Chaya d'un côté et Rav Chichet de l'autre côté. Alors, dit à Rav Ashi, le Didi Amali à mémoire, à moi, à mémoire, il m'a raconté, à où Bartavia, là où Itsude Itsin. Le Sévi, en fait, il n'a pas été chassé, là où Itsude Itsin. Et là, Mihosatrom Ata, on l'a amené, le premier jour de Yom Tov, par exemple, ouais, on l'a amené, Mihosatrom, pour le chef de l'exil, quoi. Et la Michon Satrum Ata, ou Bobayom, comme il dit Rashi.
Et la mihouz à traumata. Mande achal savar. Rav Nachman et Rav Chisda qui ont mangé. C'est parce qu'ils pensent. Abba, bijul Israël, zemoutal Israël, acher. Si tu as amené pour Réhouven, mihouz à traum, Shimon, il a le droit de consommer. Il a le droit de l'utiliser. Au niveau de mihouz à traum, on a vu qu'il y avait ce éther-là. Comme on voit aussi dans ma salade de ça. Oui. Donc, c'est pourquoi Rav Nachman, que le Zvi n'a pas été amené pour eux, mais plutôt pour le chef de l'exil, ben eux, Rav Nachman et Rav Chisda, ils ont mangé. Par contre, Rav Sheshet, ou Man de Loachal, ça va, alcool, d'Ati, les Beresh Galuta, d'Ata, des Koudou, la banana, chi. Celui qui amène pour le chef de l'exil, c'est en fait, comme il sait que le chef de l'exil, on sait que le chef de l'exil, il a à sa table beaucoup de Hachamim, en fait, c'est comme si qu'il l'a amené pour tous les invités. Point. Voilà pourquoi Rav Sheshet n'en a pas mangé. C'est une autre version de l'histoire. D'accord? On demande à Gmara, Rav Sheshet, le rabba Bar Shmuel. Manu, excuse-moi, je n'ai pas très bien compris la dernière phrase que tu as lue. Pourquoi Rav Sheshet n'a pas mangé? Parce que, tout ce qu'on amène pour le chef de l'exil, Adata découle la banana. En fait, c'est, ça veut dire, ça s'appelle qu'on le rapporte pour tous les hachamim qui vont manger à sa table. Autrement dit, quand les goyim ils ont amené ça vers Koussatroum, c'est qu'en fait, ils ont amené pour tous les hachamim, et pour la Nachman, et pour la Chichette, et pour la Chazda, etc. C'est pour ça que la Chichette ne veut pas manger. Demande à Gmara, comment tu oses expliquer que l'histoire a eu lieu de cette manière-là? Véa, pourtant, pourtant, on a vu que Rav Sheshet a posé la question à Rabba Bar Shmuel et il lui a dit, est-ce que tu as enseigné quelque chose dans Kdushot? Oui, Tane Mor Midi Birdushot. Et il lui a répondu, oui, Rabbi aussi, il est d'accord, Shneyamim Tovim Shigaluyot. Et lui a répondu, ne le répète pas. Donc, tu vois bien qu'il y a une sorte de Kdushot. Selon toi, il n'y a aucun rapport avec les Kdushot, avec les deux jours de Yom Tov. Il n'y a aucun rapport, c'est le même jour. Ça ne marche pas ta version. Oui. C'est comme ça qu'explique Rashi la question de la Gemara. Regardez un pirouche Nehmad du Rashash. Il est marché sur Rashi et propose un autre pirouche. D'accord. Il dit que. Qui a dit que c'était sur Shtek Dushot. Bon, il pose la question sur Rashi comme ça. Il propose un autre pirouche. Alors, selon tout caldeur de Rashi, la suite de l'histoire a priori elle prouve que non. Répond la Gemara, lo ayu dvarim me'olam. Lo ayu dvarim me'olam. Il n'y a jamais eu cette histoire avec Rabba Bar Shmuel. Et la réponse que Rav Sheshet lui a répondu. Il n'y a jamais eu cette histoire-là. Quoi? Il reste quand même une question que la Gemara n'a pas du tout traitée. C'est que si la version, elle est comme Rav Vashi l'a dit, on ne comprend même pas les paroles de Rav Sheshet en haut. Regardez, en haut, quand Rav Sheshet, quand Rav Nachman a dit, mais Rav Sheshet, il ne mange pas, qu'est-ce que je peux lui faire? Qu'est-ce qu'il a répondu à Rav Sheshet? Rav Sheshet a répondu, à Malé, Rav Sheshet, ve'echi echoul, détané ici. Ve'amrela ici, tané, ve'chen aya rabbi aussi, osel, bishneyamim tovim shel galuyot. Donc on voit bien que c'est un problème de shneyamim tovim shel galuyot. Qu'est-ce qu'on raconte ici que c'est un problème de ce qui a été rapporté, Mechus et Trum? C'est ça le problème. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que lui-même, Rav Sheshet, il a dit ça. Alors, c'est étonnant que l'Agmara n'a même pas posé cette question-là. Très étonnant. Alors, peut-être, bon, l'étonnement, il reste à sa place. Je ne réponds pas à pourquoi l'Agmara n'a pas posé la question. Mais je peux répondre à pourquoi. Comment on peut répondre à cette question-là? On peut répondre qu'en fait, Rav Sheshet, il n'a jamais dit qu'ici, il a enseigné quelque chose. D'accord? Il a juste dit, comment tu veux que je mange? C'est tout. Comment tu veux que je mange? Et la Gemara, quand elle a raconté l'histoire, elle a pensé, pourquoi il s'étonne, pourquoi Rav Sheshet dit, comment tu veux que je mange? Parce qu'effectivement, il y a l'enseignement de ici. Il dit que Rabbi aussi pense que c'est interdit. Les Shneyamim Tovim Shel Galuyot, comme c'est Kedusha Ahad. Voilà comment on peut répondre à la question. Mais je ne réponds pas à la question
Behemet, comment ça se fait que la Gemara n'a même pas posé cette question-là? Ok, pose la question et réponds ainsi, si ma réponse elle est bonne. Pose et réponds comme ça. Bon, peut-être c'est tellement évident. Très bien. Fin de la Sugia. Tosfot, Adata Dekul Rabanan Kaatu, il rapporte au nom de l'Isba qu'a priori la Lachal est comme Rav Shechet. C'est vrai qu'a priori c'est un peu étonnant parce qu'on a vu que Rav Nachman et Rav Chesda, les deux, pensent qu'on peut manger. Quand même étrange comme Rav Shechet. Pourquoi? Parce qu'il dit qu'on a déjà vu cette idée-là dans Daf Lamed Bet dans Tosfot, la Sugia de Shaliyah. Soit on rapportait au nom des Géonim le principe que la mahlok était entre Rav Nachman et Rav Shechet, elle est béissourée comme Rav Shechet. Et là, c'est un hymne de Yissour. Et bémamoné, bédiné comme Rav Nachman. D'accord? Alors, en l'occurrence, ici, la lachal est comme Rav Shechet. Bien qu'il y ait Rav Chesda, eh bien, il dit la même chose. Rav Chesda et Rav Shechet, la lachal est comme Rav Shechet. Soit ils vont prouver pourquoi ça aussi. D'accord, moi j'aurais quand même pu être Torahen, mais s'il y a les deux contre la Chéchette, la Lacha n'est pas comme la Chéchette. De toute façon, ils disent non, la Lacha, a priori, j'y risque pas, la Lacha serait a priori quand même comme la Chéchette. Et de là, il va découler le djinn suivant, c'est que si maintenant Reuven, un goy lui a amené Mechus Netchum quelque chose, au Yom Tov, eh bien, il n'y a pas que Reuven qui ne peut pas en manger. Mais toute la mishpacha de Reuven ne peut pas en manger. D'accord? A priori, c'est Mikol Sheken par rapport au djinn de Rav Shechet, qui a dit Adat Adekul Rabanan Atu. Alors, dernier mot d'autre soir. Nira l'Elisba. De Achi il Cheta. La lachal est ainsi. De Chemalan ki Rav Shechet. Klape Rav Nachman Beisure. Ou klape Rav Chesdanami il Cheta Kawate. Même. Rav Shechet, Rav Chesda, la lachal est comme la Shechet. Comment je sais? Shaya Gadol Mimenu, parce qu'il était plus grand que Rav Shechet, que Rav Chesda, Rav Shechet. D'où je sais? Que d'Ashkachal Bikam Adurte, bah, Rav Chesda, mais Rav Shechet. Plusieurs fois, on voit Rav Chesda poser des questions à Rav Shechet. C'était comme son rab. On peut pas le kadar, Nami, Amar Rav Chesda, mais Rav Shechet. Même là-bas, dans Dav Samir Zayn, dans Eruvin, on dit là-bas la chose suivante. Amar Rav Chesda, là-bas on dit, Rav Chesda et Rav Shechet qui n'avaient pas droit d'aider quand ils se rencontraient les deux Hachamim. Rav Chesda, Milta, Sifouate, Mimatitin de Rav Shechet. Rav Chesda, il tremblait ses lèvres, ouais, par rapport aux Mishnayot de Rav Shechet, que Rav Shechet connaissait beaucoup d'enseignements, des Mishnayot, des Braïtot. Donc il avait peur que Rav Shechet lui objecte deux Braïtot comme ça, et il ne sait pas répondre à Rav Chesda. Oui, et Rav Shechet, Mirta, Koulé, Goufé, Mipilpoulé de Rav Chesda. Il avait peur des questions de Pilpoul de Rav Chesda. Mais Amal, donc on voit de là qu'après Rav Shechet était beaucoup plus baki au niveau du Yéda. Et on voit dans Sof Orayot, Sinaï va Oker Arim, Sinaï Adif. Qu'est-ce qui est meilleur? Sinaï va Oker Arim. Et on répond, Sinaï Adif. D'accord, c'est le chim, le marech, et taïa. Sinaï, c'est celui qui connaît beaucoup d'enseignements. Oui. Et parce qu'on dit que tout le monde a besoin des chitim. Donc, de soit, ils veulent dire, puisque Sinaï est radif, alors ils en déduisent, c'est pas la déduction de soit, elle n'est pas évidente. Mais de soit, on déduise que si Sinaï, c'est mieux, eh bien, la lachal est comme lui. D'accord? Pas évident, parce que Rabba et Rav Yosef aussi, Rav Yosef était Sinaï, Rabba était plus en Kararim. Dans la Kharikom Rabba. Bon, il faut réfléchir. Et en tout cas, ce qui dit, c'est ici. Et donc, du coup, il car, d'avoir Rabba Mirfosetron, étant donné que le psaq, il est comme la fichette, en découle le djinn suivant, d'avoir Rabba Mirfosetron, quelque chose qui vient d'en dehors du tron, Bishvil Israël, Asulechol Benebetolechol. La famille, elle n'a pas le droit d'en manger. Data de Kulukati. On l'a amené, pour toute la Mishpaha. Quoi? On continue la Gemara. Aou lefta. Deati le Mechosa. Il y avait des navets qu'on amenait à Mechosa dans la ville. Nafak Rava Hazia de Kmisha. Rava, il est sorti, il a vu
la marchandise et il a vu qu'elle était un peu abîmée. Donc il dit, c'est pas d'aujourd'hui, c'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont déraciné du sol. C'est un jour de Yom Tov. C'est pas aujourd'hui qu'ils l'ont arraché les goyim du sol. Ouais. C'est hier qu'ils l'ont fait, ou avant-hier, donc pendant le Chol. Donc il n'y a pas de problème. Shara Rava le Mizban Mine. Il a autorisé qu'on en achète de chez le goy. Amar Avadai Metwa Nechla. Parce qu'il a dit, c'est sûr que c'est de la veille que ça a été déraciné. Mayamrat, qu'est-ce que tu vas me dire? Il y a encore le problème de Chosat Chom. Mayamrat, mais Chosat Chom Atia. Abba, Bishvil Israël, c'est Moutal Echol Israël Acher. Mechol Sheken, Haï, Dadata, de Nochrimata. Quand on amène pour un Israël, un autre Israël a le droit de manger. Et à plus forte raison, dans notre cas, nous dit là-bas que normalement, les goyim, ils ont amené pour les goyim de la ville de Mchosa. Oui. Très bien. Donc, il n'y a pas de raison d'interdire. Donc, Rava, il a autorisé. Une fois, deux fois. Et puis, il s'est rendu compte là-bas. Oui. Kiwan de Haza, une fois, de Kamafshe au Maïkelehu, que les goyim amenaient une plus grande quantité de navets pour les juifs. Donc, Asalehu, il a interdit, au-delà hein, qu'ils le font pour les juifs. D'accord? La preuve, ils amenaient une grande quantité. Donc, c'est pourquoi il leur a interdit. Fin de cette histoire-là. Il y a juste une hara ici qu'on peut faire dans la Gemara. C'est que Rava, il a bien dit qu'a priori, avant la fin de l'histoire, que comme c'est amené pour les goyim, c'est autorisé. Mais le seul problème, c'est qu'il a aussi rajouté le fait que c'était camouche. Le navet était abîmé. Mais normalement, on aurait dû nous dire, quand même, si le gars il l'a arraché, c'est pas un problème. Le gars il l'a arraché, puisqu'il l'amène pour le goy, ça doit pas être un problème. Et après, moi, j'en profite. Oui. Et là, on voit, de la Gemara, on voit, oui, c'est un problème. Rava, il a autorisé que parce que, un, ils étaient camouche, donc c'était cueilli avant Yom Tov. Et deux, parce qu'il l'amène pour les goyim. Pourquoi avoir besoin de ces deux raisons? C'est le but de Tosfot. Tosfot avadai metmol nekra aval yayom nekra asur afagar data de nochrimatu. Et si c'était aujourd'hui que ça a été cueilli, eh bien, même s'il amène pour le goy pour le goy, c'est quand même interdit. Pourquoi? Tosfot shitatam, donc c'est machlok que ça dans les lishonim, et Tosfot te pense tama mishum mukse. La raison, c'est parce qu'il y a un problème de Mourcé. Ben, filo de Rabbi Shimon de Netle Mourcé, Achamodé. Même Rabbi Shimon, qui en général ne tient pas Mourcé, quelque chose qui était attaché au sol, il y a Mourcé. Parce qu'il ne pense pas le juif en consommer, bien qu'il sait très bien le juif, que le goy peut le déraciner, lui, il n'a pas de problème de Yom Tov. Quand même, il y a un problème de Mourcé. Selon Rabbi Shimon. Modé, qui wan de l'or, l'ektan meetbol. Exinu. Vedami, les grogrotus mokin. Et ça ressemble à Grogrot Mokim que Rabbi Shimon pense qu'ils sont interdits. Il y a un djinn de Mourcé. Donc, Grogrot Mokim, point. Vechel, tout soit, maintenant, il amène des mécorot à ça. Vechel, machma, berech, amévib, bébé, ça. Dekol, echa, den, yoshé, vous me sapez, il te l'a Rabbi Shimon Mourcé. Soit dit, on voit aussi dans Bessa que Rabbi Shimon pense, dès l'instant où tu ne t'attends pas à ce que la chose, elle vienne vers toi, c'est Mourcé, là aussi, puisque c'est attaché au sol, tu t'attends pas à ce que ça vienne vers toi. Vechem, tu restes contre Bereshit Nisadjin, Gabé Nochri Chevi dans l'Israël. Dans la souvière de Nochri Chevi dans l'Israël, Rashi Kler, il le dit là-bas, puis quand c'est Merkoubar, même le Bishman, il est d'accord que c'est interdit, mais t'as Mourcé. Pourquoi? Parce que ça ressemble à Grogrot Smoké. Vehim Thomas, de Bepel Kamad Yacholim, Gabé Ashouhet Beshabbat, Mashma. Oui. Excuse-moi, Mouktsé, parce qu'au moment où ils les ont cueillis, il était interdit aux juifs de cueillir. Exact. Ok. Rim Tomar, ça veut dire s'il l'avait fait pendant Yom Tov, c'est ça la Kamish. Non, mais ça veut dire que c'est même pas besoin qu'il ait été. Parce qu'il a dit eux que ce soit Kamish, que abîmé, et que ce n'est pas été aujourd'hui. Mais si ce n'était pas Kamouche, ça veut dire peut-être qu'il l'a fait aujourd'hui. Peut-être qu'il l'a cueilli aujourd'hui. Parce que c'est le fruit, les frais, comme il faut. Ouais.
S'il avait fait aujourd'hui, il dit distosfot en déduisant de Gemara, ça aurait été interdit. Pourquoi? D'accord. D'accord, que lorsque lui n'a pas. Il y a un problème comme Gologlotus. Très bien. Soit continue. Même Thomas de Père Kamad et Horin Gabé à Chorin Bishabat, Masma de l'Ave Mouxé, la Bishiman, le film de la Bouda, Baël Mamikala de l'Ave Mouxé. Soit demande, mais pourquoi on a vu dans Souline, Dafud Dalet, oui, à Chorin Bishabat, si tu fais une Chorin à Shabbat, toi tu penses faire une Chorin à Shabbat? Non. Normalement, ça doit être Mouxé. Même si tu as fait la Chorin, maintenant la viande, elle doit être quand même Mouxé. Et là-bas, la Gmaral ne dit pas ça. Mashma, dès lors, avait mourcé le Rabbi Shimon. Elle a même envisagé de dire que pour Rabbi Yehuda, que lui, il est plus marmé de mourcé que Rabbi Shimon, il n'y a pas de problème dans la Shrita. Et je ne comprends pas pourquoi. Normalement, d'après le principe qu'on a dit, ça doit être comme Gologlot Smokim. De la même manière que cueillir, c'est un problème, c'est une lacha. La même chose, Shrita. Mais ça a l'air remarque, des maïli biyoshem, vous savez, chez maï shrita, nous harèche, te bekatan, vea harim roim, incroyable la réponse. Soit de répondre, et ils disent, il faudra dire que dans Houlin, on parlait que le bonhomme, le Baal HaBayit, ouais, il attendait que la shrita soit faite par un enfant, et qu'un adulte regarde, parce que sinon, ce n'est pas bon pour moi au début de Maaseret Houlin. Voilà de quoi on parle, une shrita de folie, ça. L'erreur, c'est d'achouk. Reim Thomas, continue. La malette ama belesh besa gabe perot anoshim shema yale beitlosh. Tu pourrais bichou mouxé. Je dis, attends une seconde. On a vu dans Resh Besa que, on a déjà vu ça hier, on a déjà parlé de ça hier, que perot anoshim qui tombent de l'arbre, ils sont interdits. Pourquoi? Shema yale beitlosh. Et pourquoi tu as besoin de dire shema yale beitlosh? D'après ce que je viens de te dire, il y a un problème de mouxé, ce qui est mechobar. Il y a un problème de Mourcé. Pourquoi tu as besoin de la raison de Shema Yaleh Vitosh? Le soir de répondre de deux manières. Premièrement, Yesh Lomar, qui gagne de Hitler Orvim, d'Abim Mouchana Orvim. Oui. Par exemple, il a des corbeaux. Et les corbeaux, il sait qu'ils vont manger des pommes de cet arbre-là. Donc, les pommes de cet arbre-là, ils ne sont pas Mourcés. Comment ils vont les faire tomber, ils vont les manger. Donc, ils ne sont pas Mourcés. Ils pensent à eux. Bon, quand même, Hachemim l'ont interdit à cause de la raison de Shema Yaleh Vitosh. Ça, c'est réponse numéro 1. Avant la réponse numéro 2, que tout ça continue. Toujours dans le même qui vaut de cette réponse-là. Un problème. Pourquoi tu ne peux pas mettre une BMA devant El Mamilim BMA al Gabé Mourcé? Oui, sur de l'herbe. Mourcé. Pied rouge, à sa vie, je n'ai plus de Shabbat. Bon, pourquoi ce serait un problème? Et même si la bête, elle l'arrache, elle va l'arracher, ça pourrait, ça ne s'appelle pas Mourcé normalement. D'après la réponse qu'on vient de donner. Comme les Orvim, ils le font tomber, ce n'est pas Mourcé, mais même la vache, elle peut l'arracher, donc ce n'est pas Mourcé, même si tu l'as arraché. Même si ça a été arraché par un goy. Réponse. On a déjà écrit. Les Orvim et les goyim. Réponse, à Chine et Natab. Qui gagne chez lui en dit Béchat, qui bourrin, ben ma com, chez Abéma, l'eau a été yorla la rocha. Il faut répondre que là-bas, quand les a arrachés, quand le goy les a arrachés, ils étaient dans un endroit que l'animal ne pouvait pas l'arracher. Donc, ces herbes-là, l'animal ne pouvant pas l'arracher, par exemple, c'est à l'autre côté de la rive. Ouais. Et donc, ils sont mourcés, ceux-là. C'est pourquoi ça s'appelle mourcé. Reprends ta question, Jonathan. C'est quoi la différence avec le corbeau et le goy? On a dit si le goy il cueille un jour de Yom Tov, c'est mouxé pour le juif. Mais pour le. Bonne question, Kanire, le corbeau il fait à lui le bonhomme. Il sait que les corbeaux ils mangent. Mais moi je ne sais pas si le goy il va venir à m'amener des fruits. Il va cueillir. Il va m'amener. Tu sais qu'il va le faire ou qu'il peut le faire, alors c'est ça, le mouxé. Mais la deuxième raison, ça serait chez Mayali Vitloche. Exact. Okay. D'accord. Une amie, maintenant tu sors de donner une deuxième réponse à la question. Pourquoi j'ai besoin de la raison de Shema Yaleh Vitosh? Une amie, de salir Tama Shema Yaleh Vitosh et le Bishmon de Yoshev Moussapé. Pour le Bishmon, on parlerait du cas Yoshev Moussapé. Même si toi tu t'attends impatiemment que les branches, les pommes tombent de l'arbre,
Ouais, donc tu n'as pas d'arsal, tu sais qu'elles vont tomber, tu t'impatientes. Quand elles vont tomber, j'attends là, allez tomber, je vous attends, à bras ouverts. Ouais, quand même, ça sera interdit. Pourquoi? Chez Maya, donc ça veut dire finalement, on a dit qu'on a quand même besoin, bien qu'on a la raison de Mourser, on a quand même raison, qu'on a quand même besoin de la raison de chez Maya, allez. Maintenant, la question, elle est à l'envers. C'est quoi la question? Vim to Marta m'a démoursé la malée. Tu pourrais m'y jouer chez Maya, les mecs, là. La question est sur la vache chez nous. Pourquoi la vache a eu besoin de la raison de Mourser? Ouais, il y a la raison de Yann, les mecs, là. Je ne peux pas t'autoriser, au même titre qu'un fruit qui est tombé de par lui-même, tu n'as pas le droit de consommer, même si le goy, il l'enlève de par lui-même, tu n'aurais pas le droit de consommer, la même chose. D'accord? Donc, pourquoi là-bas, il a eu besoin de la raison de Mourser? D'accord? Très bien. La question, elle est claire? Je vérifie quelque chose. Ok. Alors, Tosfot répond. Voyez, Lomar. Des schémas, il y a les huit loches. L'eau avait la beferot à Ilan, Chekalim, huit loches. Aval, les fatos de Baïmara, Warsina. L'eau. וכן במשכין דגזין שמה יסחוט לפי שקלים לסחוט. תוספות רפונד, למניה פליבות, ידיד שמה יעלה ויתלוש, זה פעה דורתות למלאכות, קונדיסה. קונדיסה שמה יעלה ויתלוש, כאן זה פסיל אפר, פעה גזם, שקוין, אין פעם דנאפ, פסיל, צ'ק, תרש, שזה טוב. מהוניבו דנאבה, זה פעה תרש ונקמה. C'est il te faut à l'appel, etc. D'accord. Mara Warsina pour pouvoir le retirer. Donc c'est Mlacha Amka. Donc le bonhomme, il ne va pas venir à le faire, il va se rappeler. D'accord. Voilà pourquoi je suis obligé d'utiliser le terme de le problème de Mourser pour pouvoir interdire. Shemaya Ale Mitloch ne pose pas problème chez nous. Vedagim Shenisod Ubeyom Tov Asole Mishu Mourser. Selon ce qu'on vient de dire, ça sort que pêcher des poissons, c'est pas tchik-tchak, ouais. Donc il n'y a pas le problème de schéma. Je t'interdis qu'un goy t'amène un poisson parce que de peur que toi tu viennes à pêcher. Non, venir à pêcher, c'est mlacha arouka, c'est fastidieux, ouais. Alors, c'est interdit en fait que mitar mourser. Très bien. On continue. Teda, le besoin cultivé, gabé, milamaïm, le bémto, le nukri, j'ai dit canel, le assa, kevesh, le assina, l'israël, irait d'ahara. Zera, shema, yassin. On n'a jamais interdit là-bas. Écoute, hein, le gars, il a fait un kevesh, il a utilisé pour descendre du bateau. Toi, tu ne profites pas de pas que toi, tu viens en faire. Un pont. Ouais, un kevesh. Ouais. Non, on n'interdit pas ça, parce que ça demande du travail. Donc, le bonhomme, il va s'en rappeler. Qu'on va se rappeler qu'on est Shabbat. C'est la raison pour laquelle, dans ce cas-là, on ne craint pas, on ne dit pas, on interdit de peur que toi-même tu viennes à faire la mlacha. D'accord? Pourquoi c'est une mlacha aluka? C'est ce qui dit ce sfot. Au sujet de remplir de l'eau pour l'animal, d'allumer un air, nochri chez les panel, ou bien faire un kevesh, on ne va pas interdire l'ira d'ahara ou zera shema yasemo. On pourrait se poser la question, selon le principe de Tosfot d'aujourd'hui, est-ce qu'un goy qui allume une lumière, aujourd'hui c'est tic-tac, tic-tac, t'allume, t'éteins. Ouais, est-ce qu'il n'y aura pas le même problème, il n'y aura pas ce problème-là aujourd'hui. Comment qu'on dise qu'à l'époque c'était pas interdit, aujourd'hui on n'interdit plus. Et si on suit la logique, peut-être, on aurait, si à l'époque de Hazal il y avait de l'électricité comme là aujourd'hui, c'est possible que Hazal ils auraient interdit. D'accord? Hazal ils auraient interdit. Si même le goy il vient allumer, même si c'était pour lui, c'est interdit aussi pour toi, parce que de peur que tu viennes de le faire.
D'accord? À moins qu'on voit qu'il y a l'autre Zvara qui dit qu'en fait, on interdit uniquement dans des choses qui sont hors Khalil parce que le bonhomme, il est raout, ahara akhila, il court derrière la nourriture. D'accord? Soit ils n'ont pas émis cette idée-là. On ne voit pas que cette idée-là ressort de leurs paroles. Soit en haut, ils ont dit, j'ai oublié d'expliquer, soit en haut, ils ont dit cueillir, c'est facile, c'est pour ça qu'on est rochèche et on est gozer. Shema yishot, d'accord, mashkin chez Zavou, on interdit, shema yishot, ça aussi c'est facile, tu prends une garde, tu fais comme ça, tac. Ouais, c'est pourquoi chakramim gazou. D'accord, mais Shrita, par exemple, pas quelque chose de facile. Soit ils ont une question. Comment ça se fait que dans ma serre étrolline, on a comparé Shema Yishrot à Shema Yishrot? Oui. Vea, demdame, bepel, kama, d'écholin, Shema Yishrot, le Shema Yishrot. Ave, ma sire, mitrahid, de l'odam, ou qui dépêchit, la débela, vachid, achil, le chapir. Dans la Gemara là-bas, Shema Yishrot, on l'a interdit, on l'a autorisé, pardon, Shema Yishrot, c'était un problème. Et pourquoi cette différence-là? On aurait pu répondre, comme tout ça, moi-même, je viens de répondre. Il y a une différence, si c'est facile ou si c'est pas facile. Tout ça, disent, alors pourquoi la Gemara l'a comparé? Tout ça, disent, n'est rien ami. La Gemara, elle n'aurait pu répondre, la comparaison, comme moi, je viens de le faire, d'accord? Mais elle a quand même répondu autrement, aussi bien que ce que moi j'ai fait. Elle a bien repoussé la comparaison de la Gemara d'ailleurs dans ma série. Donc elle n'a pas eu besoin de notre Yann. Fin de tout ça. Est-ce que tu as un mot? Pourquoi tu tousses autant? Amos. Oui. Qu'est-ce que tu as? Je tousse beaucoup. Et c'est à cause de quoi? Tu as quelque chose? Pas compris. Tu as quelque chose? Non, c'est-à-dire que tu es. Vous, ça va, ça va. Bon, ouais. Le Jbalouk te dégage la gorge, bien comme il faut. Ouais. On continue la Gemara. Eno bne ganana de gazolro asa biyom tov sheni. Il y a d'autres versions, il n'y a pas marqué biyom tov sheni. Mais yom atava, c'est marqué. Comme ça, le riff, il est grosse, je crois. Donc, Enu Bne Ganana, Rashi expliquait Bne Ganana, Koshre Kilot, la Hatanim. D'accord? Donc, ce sont des décorateurs pour les mariages. Et dans les Kila, dans les lits baldaquins, on mettait là-bas des Hadassim. D'accord? Alors, Enu Bne Ganana, de Gazulhu Asa, Biomtov, des Goyim, donc, leur ont coupé des Hadassim pendant Yom Tov, Yom Tov Sheni, dans notre Girsan, c'est ça. Le Ota Shara le Ravin a le Hebel Alta. La nuit, à la fin de Yom Tov Sheni, Ravin a autorisé à ce qu'on puisse tout de suite les sentir. On n'a pas besoin d'attendre Bigde chez Asu. Amale Rava Bar Tahlif a le Ravin a l'Issa le Omar, mi pene chez Anan le Torah. Rava Bar Tahlif a dit à Ravin, mais pourquoi tu leur autorises? Il faut leur interdire, parce qu'ils ne sont pas des Bnei Torah. On a déjà vu que quand ce n'est pas des Bnei Torah, on est marmir bien que le djinn l'autorise. Matkif la Rav Shmaya, objection de Rav Shmaya. Tamad et Nen Bletora, Bletora, Shari. Tout ton problème, c'est parce que ce n'était pas des Bletora. Si ça avait été des Bletora, tu comprends le djinn de Ravin, qu'on autorise tout de suite. Bah, il y a Big Deshe Asu. Mais voilà, on a besoin d'attendre Big Deshe Asu. Azlou, Shailou, les Rava. Les deux Hachamim sont partis poser la question à Rava. Et Rava leur a répondu effectivement. Amal Léo, Bahinan, Bigdesh, Yahasu, même Yom Tov Sheni, selon le Girsa, on a besoin de Bigdesh, Yahasu. Point. Oui, Jonathan. Combien de temps ça prend le temps de couper quelque chose? Ça prend on a déjà parlé de ça hier. En réalité, c'est un petit peu étonnant. Si c'est un temps minime, disons que ça prend 2-3 minutes, j'en sais rien. Ouais. Oui, il coupe des branches là, non? Ouais, il arrache les branches, mais moi, j'exagère quand je dis 2-3 minutes. Genre, il prend, c'est pas évident de couper, tu tires, ouais. Je te donne 2 minutes, mais ça reste un temps, pardon, relativement court.
si on ne rajoute pas à ce temps-là l'aller-retour, enfin l'aller, ça reste relativement court. Les Bémet, en fait, ils ont dit hier que selon Rashi, a priori, c'est comme ça. Et même selon Bahag, ils ont envisagé que c'est ça aussi, sa Shita. Avec quoi, avec Il n'y a pas besoin, juste le temps de faire la Mlacha. Bien que selon la Shita de Bahag, la Svara donnerait aussi le temps qu'on a mené. D'accord ? Mais de toute façon, ils sont restés tout de même des affaires. Bon, très bien. Fin de la Sugya. Là, on commence une nouvelle Sugya. On va rapporter leur dernier enseignement de la Mishnah. Et on va, Bezat Hashem, ouais, on va jusqu'à la moitié à peu près du Hamoud prochain. On y va. Rabbi Dosa Omer a ouvert l'ifnateva, vechule. Amar Rabba, kiawinan berav huna. Iba yalan, ma oule azkir se rosh chodesh berosh hashana. On s'est posé la question, quand t'es chez Ravuna, on s'est posé la question, est-ce qu'à Rosh Hashanah, on mentionne Rosh Chodesh ou pas? C'est quoi les deux Zadim? Est-ce que, puisqu'il y a des korbanot de Rosh Hashanah et des korbanot de Rosh Chodesh, ouais, distinctes, donc on cite aussi dans la Tefila, ça, ouais, Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, pardon, à Moussaf, oui, Odilma, Zichron Echad, Ole Likan Ulchan. Ou bien peut-être, Zikaron Echad, comme on dit dans la Tfila, on dit Zichron Teroa au sujet de Rosh Hashanah. Alors Zichron, alors même Rosh Hashanah, c'est un Zikaron. Soit il rapporte, il y en a qui disent que ce n'est pas Rashi, pardon. Rashi écrit, il y en a qui disent que ce n'est pas Rashi, c'est Tosfot. Rosh Chodesh Nami Kti, Voyou Lachem les Zikaron. Et même dans Rosh Chodesh, on dit Voyou Lachem les Zikaron. D'accord? Donc quand tu dis Zikaron Teloa, tu as inclus déjà ici Rosh Chodesh. Voilà les deux Zadji. Est-ce que je mentionne clairement ou bien est-ce qu'il est inclus dans Zikaron Teloa? Amalan, il nous a répondu, Ravuna, Tanitua. Mais ça s'est enseigné dans la Mishnah. Comment? Rabbi Dosa Omer a ouvert l'ifnei ha-teva v'chule. On rappelle dans la Mishnah, on a vu que Rabbi Dosa avait dit que celui qui fait la tfila Rosh Hashanah, Yom Tov Hashanah, il dit Achalisenu Hashem Elokeinu beYom Rosh Chodesh Ze. Oui. Im Hayom, Im Lemachat. Le lendemain, il dit Im Hayom, Im Emesh. Oui. Et Velod ou Lo Hachamim, Hachamim n'était pas d'accord. Donc, dire à Vuna, Maïla ou Léazkir, n'est-ce pas que la Kavana de Hachamim, quand ils n'étaient pas d'accord, c'était Léazkir de parler complètement de Rosh Chodesh. Donc, on ne mentionne pas. On ne mentionne pas Rosh Chodesh du tout. Là, Rabba a repoussé Léatnot. Non, Léolam, tu parles de Rosh Chodesh. Seulement, tu ne fais pas les Tnaïm, si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est aujourd'hui, si c'était hier. On ne dit pas ça. Tu dis Rosh Chodesh tout simplement et c'est tout. D'accord? Donc, peut-être Léolam, on doit dire Rosh Chodesh. D'ailleurs, dit la Gemara, Achinami Mistabra. C'est comme ça que ce serait logique de dire. On dit Rosh Chodesh, mais on ne fait pas les Tnaïm. Midikatane bebraita, vechen aya rabbi dosa, on sait berosh rashi chodashim, shel kol hashana kula. Velo dulo. Rabbi dosa, il y a une autre braita qui dit que rabbi dosa, il faisait ainsi dans tous les rosh chodesh de toute l'année. Quand il y a deux jours de rosh chodesh, ouais, il dit si c'est aujourd'hui, si c'est demain, si c'est aujourd'hui, si c'est hier. Encore le premier et le deuxième jour. Ouais. Velo dulo. Et Hachamim n'était pas d'accord avec Rabbi Dosa. Et Amrad Bishlama Leatnot, si tu dis que Hachamim n'était pas d'accord avec le Tnaï, Mishumachilo Odulo, je comprends pourquoi. Donc, Rosh Chodesh, tu parles bien de Rosh Chodesh,
Mais tu ne fais pas le tnaï. Elle a yamlat le azkir. Amai lo dulo. Et si tu dis non, les Hachamim ne sont pas d'accord de citer complètement Rosh Chodesh. Pourquoi ils ne sont pas d'accord avec lui? Bon, on ne parle pas du tout de Rosh Chodesh pendant Rosh Chodesh. Pendant Rosh Chodesh, Moussaf, on ne parle pas du tout de Rosh Chodesh. On ne comprend pas pourquoi les Hachamim ne sont pas d'accord. Ouais. Donc, Moukhrach, a priori, de dire que oui, tu parles de Rosh Chodesh, seulement le Tnaï, on n'est pas d'accord. La même chose dans Rosh Hashanah, tu parles de Rosh Chodesh, mais le Tnaï, on n'est pas d'accord. Manda Gmara, Vela Maïlat, non. Si tu as raison, quoi, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux dire que tu as raison, qu'on parle, Hachamim ne sont pas d'accord avec le Tnaï? La Mali, il est plus que Betarté. Alors pourquoi on a eu besoin de faire deux mahloquettes? Oui. Donc, sûrement, deux mahloquettes. La deuxième, c'est pour te dire que je ne suis pas d'accord avec le Tnaï. Et la première, je ne suis même pas d'accord que pendant le Shoshana, tu parles de Rosh Chodesh. Oui. Donc, la manie, les flogues bétatées. C'est pas une question ça. Je peux te dire pourquoi on a besoin de deux mahlokes. Léola, tu dois parler de Rosh Hashanah. Pendant Rosh Hashanah, tu dois parler de Rosh Chodesh. Les Hachamim ne sont pas d'accord uniquement du Tnaï, qu'on fasse le Tnaï. Je vais me poser la question pourquoi les Hachamim, dans les deux cas, ils ont dit l'Odoulo que j'ai besoin de deux cas. Et le cas de Rosh Chodesh. Avec Rosh Hashanah et le cas de Rosh Chodesh dans les autres jours de l'année. Réponse: Deyesh Moïna Rosh Hashanah, Awamin Abeha Kamre Rabbanan Dela. Si je n'avais que la mahloket avec Rosh Hashanah, j'aurais dit c'est uniquement dans ce cas-là que Hachamim ne veulent pas que tu fasses le Tnaï. Mishum Dati les Elzulebe. Parce que si tu fais un Tnaï, les gens ils vont venir être mes Elzel. Quoi? Rashi explique, « Im achzekin ale safek à tous les alzulei bishnehem » C'est mieux comme ça dit le Gilyon. Les gens ils vont dire, chaque jour, il est safek. Donc, ils ne vont pas attraper le jour de Rosh Hashanah hazar. Mais si, aval ki aminem stama, mais si on ne dit pas aujourd'hui et demain, aujourd'hui et hier, « Machzekin ale ou birdusha hat » Les gens, dans leur tête, c'est un seul grand jour, une seule birdusha. Donc, ils ne vont pas être mezalzel du tout. Oui. Donc, c'est pourquoi que Hachamim ne sont pas d'accord qu'on fasse un tnaï à Rosh Hashanah. Vous avez compris, c'est quoi un tnaï, hein, le tnaï? Et si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, si demain c'est Rosh Chodesh. D'accord? Et le lendemain, le deuxième jour de Rosh Hashanah, si aujourd'hui c'est Rosh Chodesh, si hier c'est Rosh Chodesh. Aval Belasher Chodashim, Shabbat Shabbat Kula. Aval Belasher Chodashim, Shelkol Hashanah Kula, Emma Modulé, les rabbis de ça. Mais les autres Rosh Chodesh, il n'y a pas de problème de travailler. D'accord? Il n'y a aucun zilzou là-dedans. Donc, il n'y a pas de problème de faire un tnaï, ma baria. Donc, ils auraient peut-être, j'aurais dit que Hachamim seraient d'accord avec Rabbi Dossa dans ce cas-là. Vite, Marbeha, si je t'avais dit le cas de Rosh Chodesh chez le Kolashana, j'aurais dit Beha, Kamar Rabbi Dossa. Aval Beha, Rema Modelhu, le Rabbanan. J'aurais dit quoi? Dans ce cas-là, Rabbi Dossa, il a dit que ce n'est pas grave le Tnaï. Comme on dit, il n'y a pas de problème de Zilzoul. Mais dans Rosh Hashanah, il y a un problème de Zilzoul. Peut-être qu'il aurait été d'accord avec Hachamim et on n'aurait pas fait le Tnaï. Donc, j'ai bien besoin des deux mahlokes. Bon, en conclusion, on n'a pas tranché vraiment, d'accord? Est-ce que oui ou non, on cite Rosh Hashanah pendant... On cite Rosh Hashanah, Rosh Chodesh, d'accord? On a juste dit qu'on pouvait dire l'un comme l'autre. On n'a pas encore tranché, on verra dans la suite d'Agmar. Oui, Jonathan, tu voulais dire? Non, tu as dit, vous savez, c'est quoi le Tnaï? Le Tnaï, c'est comme dans le Troum. Si, c'est aujourd'hui. Non, ce n'est pas vraiment comme le Troum. Ça n'a rien à voir, en fait. Troum, quoi? Tu élimines un jour. Tu élimines un jour. Tu prends moins de risques. Non, c'est pas ça, Merhila. C'est quoi le point ici? Le bonhomme, le cher Sibou, il est en train de faire la tefila. Quel rapport? Il est en train de faire sa tefila. Hein?
C'est quoi le tenaï alors pour Rosh Hashanah? Il est en train de faire la tefila. Ouais. Il cite Rosh Hashanah. Et il cite Rosh Chodesh. Ouais. Alors peut-être demain Rosh Chodesh. Alors Rosh Chodesh aujourd'hui ou bien demain? Oui, je sais que ce n'est pas la même chose, la même conséquence pour le Troum, mais c'est à peu près la même idée que pour le Troum. Si aujourd'hui c'est Yom Tov, alors c'est comme si je n'ai rien dit. Si demain c'est truc. Ça, c'est sur quel canal, ça? Sur quel canal, ouais. Ok, alors, si ça te plaît de comparer, compare comme ça, mais deux sujets, rien à voir. Moi. Métivé. Ouais. Métivé. On y va? Bonne chose, là. Bon, on fera tout ça d'après, c'est pas grave. Métivé. Rosh Hashanah, c'est Haliot de Shabbat. Bet Shabbat Omrim, Mitpalel Aeser. Ou Bet Kilel Omrim, Mitpalel. Tesha, Vemita, Betchama, Yahat, Semi Baele. Rosh Hashanah qui tombe Shabbat. Sana, c'est Shabbat. Betchama, ils disent, on fait 10 brachot. Betchile, les 19. Pourquoi? C'est quoi les 9? Les 3 premières, les 3 dernières. Ça, c'est les habituels. D'accord? Alors, pendant un jour de Rosh Hashanah normal, Ochol, on fait 3 au milieu. C'est quoi les 3 au milieu? Ouais. Malchuyot, Zichronot, Shofarot. D'accord? Et on fait aussi Kedushat Hayom. On introduit avec Malchuyot. Je crois que c'est Malchuyot, c'est ça. Adelashi. Ouais. Dekolel, Shabbat, Yom Tov, Bebracha, Ahat. Quand on est Shabbat, par contre, Shabbat et Rosh Hashanah, en fait, on a introduit tout ça dans une même bracha. Mekadesh, Shabbat, oui, Israël, oui, Yom Hazikaron. Mekadesh, Shabbat, oui, Israël, oui, Yom Hazikaron. Donc, on a fait et le Shabbat et Rosh Hashanah dans une même bracha. Donc, selon Rashi, on a toujours, selon Bet Hillel, on a toujours 9 brachot. Mais selon Bet Shammai, non. On sépare la bracha de Shabbat et la bracha de Rosh Hashanah, on la sépare. Donc, ça fait qu'il n'y a plus 9 brachot. Il y a combien de brachot? Il y a 10 brachot. OK? Alors, tout ça, l'Agmara, pardon, demande. Vehimita. C'est quoi Vehimita? Si tu dis que Behemet mentionne Rosh Chodesh, le jour de Rosh Hashanah, selon Beit Shammai, on devrait aussi exiger une bracha à part. Tu exiges une bracha en fonction du mention. Tu mentionnes Shabbat, tu fais une bracha à part. Tu mentionnes Rosh Chodesh, eh ben, tu fais une bracha à part. Donc, il ne devrait pas y avoir 10, mais plutôt 11. Quoi? C'est clair la question? La question est claire? Répond la Gemara, repousse la Gemara. Amar Rabbi Zera, Shani Rosh Chodesh, Mitoch Shekolel Shleshacharit Ve'arvit, Kolel Nami Bemusafin. Quoi? Quoi cette réponse? Amar Rabbi Zera, Shani Rosh Chodesh, מתוך שכולל לשחרית וערבית, כולל נמי במוספין. ראש חודש, c'est différent. Étant donné que השחרית וערבית l'inclut, כולל, alors tu vas l'inclure aussi à Moussaf. Donc, l'Olam, tu parles de ראש חודש, mais tu vas l'inclure. Comme tu l'inclus à Shaharit et à Arvit, tu l'incluras aussi à Moussaf. Voilà la réponse. C'est quoi ça? Regardez Rashi. On va faire Rashi ensemble. Amar Abizera. Le'olam, c'est-à-dire que le'azkir. Toujours, je dirais, il faut mentionner. Rosh Chodesh, à Rosh Hashanah.
Elle m'a posé la question, pourquoi alors on ne fait pas une bracha à part? Fais pas. Mais là, Michoum, pas parce que Zichron et Had ont les can ou le can. Mais là, Michoum, de Zichron de Rosh Hashanah ont les lots. Les Mashma, de Kiwan de Rosh Hashanah, ou Aïn Rosh Hodesh. Diawa Nami Shabbat ou Rosh Hodesh, car même si ça avait été Shabbat et Rosh Hodesh, le Rosh Hashanah n'a rien à voir avec Rosh Hashanah. On n'aurait pas fait une bracha pour Rosh Chodesh à part entière. Et là, Chotem Mekadesh Shabbat Yisrael Berashi Chodashim. On aurait fait Mekadesh Shabbat Yisrael Berashi Chodashim, une bracha qui inclut et Shabbat et Rosh Chodesh. Oui, le cas, c'est la raison pour laquelle Berosh Hashanah Nami Chotem Mekadesh Yisrael Yom HaZikaron. Même à Rosh Hashanah, tu fais une bracha qui inclut. Oui, Kadesh Israël Yom HaZikaron, c'est la bracha de Rosh Hashanah. La bracha de Rosh Chodesh. La mention de Rosh Chodesh. Mais enfin, garde le Shabbat, Rosh Hashanah, had bracha. Voilà, on a vu que Shabbat Rosh Hashanah, il y a une bracha sur le Beit Shammai. Une bracha pour Shabbat, une bracha pour Rosh Hashanah. ואף אגב זה בשבת ראשונה בעל לכל אחד ברכה בפני עצמה, בראש חודש מודו. יבועת כמה דקות הראש חודש, כולה פעם לא דון עם ברכה בפני עצמה. פוקווה, אסלה כאובה אפרן תרוויניה לימוד לגמרה, דו שחרית ודו ערבית, זה מתוך שכולל ברכתו בתוך ברכת היום שחרית וערבית, ויזכו, ואפילו בשאר שבתות, puisque Demitor Shekolel Birchato, puisque la mention Abracha de Rosh Chodesh, tu l'introduis Betor Birkatayom, tu l'introduis dans l'Abracha du jour, c'est-à-dire de Shabbat, Shaharit Ve'avit, Vafir Pishar Shabbatot, même les autres Shabbatot, Dei Wadai, Vafir le Bet Shamay Pshitalan, de l'Obael et Cholhad Bracha Lasmo, parce que ça, c'est évident pour nous, que Beit Shammai pense qu'on n'a pas besoin de faire Bracha Bifnei Asma. Pourquoi? Pourquoi c'est tellement évident pour nous? De Ayawa Mikla Behol, si Rosh Chodesh était pendant la semaine, il a une Bracha? Il n'a pas une Bracha. Elle a une Bracha Shaharit ou Arvit. Seulement il dit Yalev Yavo, c'est tout. Et là, Omer Yalev Yavo Barvoda. C'est la raison pour laquelle, quand il tombe Shabbat, tu l'inclus dans Shabbat. Vilkar qui mitla bi Shabbat, a fil le man de Amal et Khaman de Bishabbat, le mat kéen de Rosh Chodesh, Barvoda, la Bukatayom, mais pour celui qui pense, même pour celui qui pense, que, on verra ça plus tard, que Shabbat, on mentionne le mat kéen de Rosh Chodesh, Barvoda. On ne mentionne pas Rosh Chodesh, Barvoda, et la Bukatayom, c'est-à-dire dans l'essai, il y a les bébés. Mais uniquement dans Birkat Hayom, c'est-à-dire la bracha de Shabbat, par exemple. Michlalu de Kailina. Là, Bifnei Asma, on l'inclut. Donc, on résume. Dans Shabbat, dans Rosh Chodesh, dans la semaine. Stam. On n'a pas de bracha Bifnei Asma. Oui. On fait aller Beyavo. C'est la raison pour laquelle, quand c'est Shabbat aussi, oui. Même pour celui qui dit que on fait pas Yalev Yavo, on l'a fait à part, on la fera avec la bracha de Shabbat. D'accord? Mekadesh Shabbat, Yisrael Vashar Chodashim. On la fait avec. On la fait pas à part. Donc, comme on ne la fait pas à part, Shaharit Ve'avit, donc on a vu que la bracha de Rosh Chodesh, elle s'inclut avec Birkat Hayom, c'est la raison pour laquelle Beit Shammai, chez nous, ils vont être d'accord que bien que on fait une bracha lorsque c'est Shabbat Rosh Hashanah, une bracha pour Shabbat seul, avec Rosh Hashanah seul, quand c'est au sujet de Rosh Chodesh, on va l'inclure avec
Rosh Chodesh, autrement dit, c'est une bracha qui s'inclut avec quelqu'un d'autre. Rosh Chodesh, elle va s'inclure avec la bracha de Rosh Hashanah. C'est pourquoi Beit Shammai ne vont pas demander 11 brachot, mais que 10 brachot. D'accord ? Quand ça tombe Shabbat. Et la bracha de Shabbat, et la bracha de Shana, et dans Rosh Hashanah, ils vont inclure celle de Rosh Chodesh. On a vu que Rosh Chodesh, c'est une bracha qui s'inclut avec une autre. C'est ça la réponse de Rabbi Zera. Et néanmoins, il faut mentionner Rosh Chodesh. Amar Rabbi Zera, Shani Rosh Chodesh mitoch shekolel le shaharit, c'est-à-dire elle s'inclut la bracha Birkatayom dans Shaharit Arvit. D'accord, donc kolel l'ami bimousafin, on va l'inclure aussi dans Moussaf, dans Rosh Hashanah. Wow. Rachid Bahla Rachid après, kolel l'ami bimousafin, le Beit Shammai, bafagav de bechol itle bracha bimousafin le asmo, bien que dans le hall à Moussaf, ouais, il y a une bracha à part, le bracha de Rosh Chodesh, bracha, oui. Les autres yamim tovim qui ont une bracha à vide veshachrit à part entière, quand ils tombent dans le hall, ouais. Yom tov qui tombe dans le hall, ils ont une bracha, ouais. Alors dans ceux-là, Beit Shammai, ils ne sont pas d'accord avec Hillel. Et ils vont te dire, kimichlei b'shabbat, quand ils vont tomber Shabbat, ils vont demander une bracha à part. Celle de Shabbat et celle de Yom tov. Celle de Shabbat et de Shina. Ouais. Dans toute la tefila. Wow. Voilà la réponse de Rabbi Zera. Bon, demande la Gemara, Omi itleu le Beit Shammai kolel. Est-ce que Beit Shammai bichlal, ils ont ce principe-là de kolel? Oui. Rashi dit, Omi itleu le Beit Shammai kolel bibirkat amusafin shel Rosh Chodesh. Dikla be Shabbat. Le Kohen Shabbat et Rosh Chodesh, est-ce qu'ils disent qu'on inclut Rosh Chodesh dans le Shabbat? Vatania. Rosh Chodesh yachal yod b'Shabbat, Beit Shammai omrim mitpalel shmona, ou Beit Hillel omrim mitpalel sheva kushya. Si maintenant Rosh Chodesh tombe Shabbat, selon Beit Shammai, on fait 8 brachot. Les 3 premières, les 3 dernières, puis une bracha de Shabbat, puis une bracha de Rosh Chodesh. Alors que Beit Hillel pense qu'il n'y a que cette bracha. Donc on voit bien ici que Beit Shammai n'ont pas Kolel. Ils n'ont pas le principe que Rosh Chodesh, on l'inclut dans Shabbat. Donc si ils n'ont pas le principe du Kolel, alors je reviens à ma preuve. C'est quoi, je reviens à ma preuve? Même quand ça tombe Rosh Hashanah, enfin, même lorsque c'est Rosh Hashanah, alors si c'est Shabbat, si Béhémet, on doit parler de Rosh Chodesh, on devrait faire aussi une bracha pour Rosh Chodesh, parce qu'ils n'ont pas le principe de Kolel. Et pourtant, ils ont dit 10, ils n'ont pas dit 11. Donc, j'en conclus qu'en fait, on ne doit pas mentionner du tout Rosh Chodesh, et il faudra dire Zichron Ehad Ole Lekan Ulcha. D'accord? Donc la Gemara est restée Bekusha et Rashi a dit Béhémet, a priori c'est ça la conclusion. Bien que par la suite la Gemara va dire Maya Berala. Est-ce qu'il en est de sur cette question-là? Déjà ici Rashi dit qu'a priori, puisque la Gemara est âme d'Abekusha, bien que j'en peux répondre,
D'ailleurs, d'ici, c'est peut-être une preuve que coucher, on peut répondre. C'est la raison pour laquelle la Gemara, par la suite, ça veut dire Me'aber Allah. D'accord? Peut-être. En tout cas, Rashi, ici déjà, il dit au Rashi coucher, regardez, Ushma mina, qui voit un des bichards, c'est pas toi, t'as barou, betchama, et blacha, le roshra, des brochachana, lo barou. Donc, tu apprends de là, des tamas, michum, des zichram, des roshachana, on est lo, Ushma mina, a filo, mechlele, quadkul, enami, le barine. Donc, j'apprends de là qu'on ne parle pas du tout de Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on ne parle pas du tout de Rosh Chodesh. Parce que Zichron et Had volaient les Kanun Khan. Wow. Ça, c'est Rashi qui le dit. Hein. C'est pas la Gemara. La Gemara, Abd Abekushia, c'est ce qui a été dit, c'est tout. On continue la Gemara avant de conclure au niveau du Psaq. Vekolel Asmo Tanna Ehi. Cette histoire de Kolel, alors Rashi dit Kolel Asmo de Shaharit ve Arvit Berosh Chodesh Echal Yod Bishabbat. Ça veut dire qu'on a dit que quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, okay, Shaharit et Arvit, on inclut Rosh Chodesh dans la bracha de Shabbat. Ouais. Cette histoire de Kolel, c'est-à-dire de Shaharit, on est Kolel, on inclut Rosh Chodesh dans Shabbat. C'est une mahlok et Tanaïm. C'est quoi c'est une mahlok et Tanaïm? C'est quoi la Kavana? Pas comme on l'a dit jusqu'à présent. Rashi dit Tanaïhi, des katana, des filo Kolel letle. Il n'a même pas Kolel. Et là, on m'a dit, allez, viens, bon. D'accord? Il dira, ya, allez, viens, bon. Bavoda, dans Ressé. Comme la semaine. Ava Biblikatayom, et non Nizkal Klal. Mais dans la bracha du jour, dans le Shabbat, on ne parle pas du tout de Rosh Chodesh. Mais maintenant, aujourd'hui, comment on fait? Quand Rosh Chodesh tombe Shabbat, comment on fait? Shaharit, Arvit, on fait comment? On fait uniquement Yahalev et Yavo. Je ne parle pas de Moussa. D'accord? Mais il y a une autre Yahal qui dit Kolelin, ça veut dire qu'on parle de. Dans la bracha de Shabbat, on introduit Yahalev et Yavon. Mechadesh Shabbat, Israël, Vodesh Shabbat. Alors, c'est ça la kavana de la Gemara. Vekolel asmo tenehi. Etanya. Shabbat, Shechal Yod, Rosh Chodesh. Shabbat, qui tombe Rosh Chodesh. O becholo shel moed. Ou bien, Shabbat, Shechal moed. Ça ne change pas. Arvit Shacharit Mincha. Mitpalel kedarko sheva. Il fait comme d'habitude cette brachot. Veomer me'en amora be'avoda. Et il parlera de Yahalev Yavo dans l'essai. C'est comme ça qu'on fait. Rabbi Eliezer, Omer be'oda. Non, dans Modim. Ve'im lo amar mahazirin oto. S'il n'a pas dit, tu recommences la Amida, mon ami. Obe Moussafim. Par contre, à Moussaf. Matril Bechel Shabbat, Omsayem Bechel Shabbat, Veomer Dushat Ayom Behemsa. Il commence la quatrième bracha. Les trois premières, c'est jusqu'à Aël Akadosh. D'accord? Donc, Matril Bechel Shabbat, après, il commence la bracha avec Shabbat, et il finit la bracha à la Hatima, c'est Baruch Hatashem et Kadesh à Shabbat, dans Moussaf, je parle, et au milieu, Omer Dushat Ayom. Il introduit le jour le Moussaf, le Moussaf de Rosh Chodesh. Il parle de Rosh Chodesh, c'est le Chatayou. Rashbag, Rabbi Ishmael, Bdosh, Rabbi Yohanan, Brucha, Omri, Kol Makom, Shezakouk, Le Sheva, Mathil, Bechel Shabbat, Omsayem, Bechel Shabbat, Omer, le Chatayou, Bemsa. Les deux Hachamim qu'on vient de citer, Rashbag et Rabbi Ishmael, eux ils disent, là où il y a cette brachot, c'est-à-dire même Shaharit, Mincha, Ve'arvit, ouais, eh bien, tu commences par Shabbat, par la quatrième bracha, tu finis par Shabbat, et tu dis Kdushat Ayom Be'emsa. C'est-à-dire qu'il y a une mahlok. Il y a une Da'a qui dit que dans la quatrième bracha, tu dis Kdushat Ayom. C'est les deux derniers Tanaïm. Et en haut, on a dit non, on ne dit pas du tout dans la quatrième bracha, pas du tout. Dushat, Ayom, tu fais que tu parles que de Shabbat, c'est tout.
D'accord? Mais ou arrêter de faire les mirvot, ou bien tu fais ça à Moudi. Ça, c'est les deux premiers Tanaïm. Donc, on voit bien que cette histoire-là de Kolel, c'est-à-dire on introduit avec le bracha de Shabbat, par exemple, c'est plus alors que Tanaïm, patron. On est d'accord avec ça. Hein, qui dit, tu ne dis pas du tout Kolel. Tu l'as fait ailleurs. Il y a les mirvot. Même pas en tant que bracha. Pas du tout en tant que bracha. Quoi? Demande à Gmara Mayabéala. Alors, qu'est-ce qu'il en est? C'est-à-dire, est-ce qu'on mentionne Rosh Chodesh à Rosh Hashanah? Nous, après, on connaît déjà la réponse. Répond la Gmara, Amar Chesda, Zichron Echad, Ole Lekan Ulcha, Ole Lo Lekan Ulcha. Mechen Amar Rabba, c'est mieux de dire Rabba que Rabba. Pourquoi? Parce que Rabba, c'est lui qui a posé, c'est lui qui a rapporté le Safek en haut, quand il était chez Ravuna. C'est bizarre qu'on rapporte une réponse à partir de lui maintenant. Donc, c'est mieux de dire Rava, Bémet Yadigusa, tout c'est Rava. Vechen Amar Rava, Zichron Echad, Olelo, Lekan, Olcha. Alors, Rashi, regardez, il y a un Rashi dans la deuxième ligne, des grandes lignes de Rashi. Rashi va nous rapporter un psa, c'est entre parenthèses, je ne sais pas pourquoi c'est entre parenthèses, il faut voir. Entre parenthèses, Rashi rapporte le psa au niveau de la Azkara, quand c'est Shabbat Rosh Chodesh ou bien Shabbat Chol HaMoed. Donc nous, comment on fait Bémet? Comment nous on fait? Quand c'est Moussaf, dans la bracha, la quatrième bracha, on parle et de Shabbat et de Rosh Chodesh. Mais quand c'est Shaharit, Mincha, Arvit, on parle que de Shabbat et on rajoute Yarlevi à vous. Notre Psa, à nous, c'est aucun des Tanaïm qui est ici, là. D'accord? Alors, Rashi dit, Psa, ou ben ma sechet besa, tavainan ilcheta, de lo ki ane Tanaï. La lacha, on ne fixait pas comme les Tanaïm de chez nous. Qu'on a dit qu'on conclut que Shabbat, de Moussafim à Moussaf. Ce n'est pas comme ça que nous on fait. Et la Havre du Chatayom va être courée, Bertima, Mekadesh, Shabbat, Israël, Vazemanim. Ou bien, si c'est Rosh Chodesh, ou Rosh Chodesh, Mekadesh, Shabbat, Israël, Vazemanim. Dans la Bracha, on parle de Rosh Chodesh ou du Hag. D'accord? Pour Moussaf, je parle. Aval Bemaï Dika, Amar Shaharit, Arvi. Sur ça, la bracha est comme lui. D'accord? Au sujet de Shaharit ou Arvit, qu'on a dit tu fais la bracha normale et dans la avoda tu cites Yarlevi Avo, ça, la bracha est comme lui. D'accord? Le gabé kolel de Shaharit ou Arvit, kabainan en alacha keoto azug. La bracha n'est pas comme les deux hachami. D'abord, comment comme ce kolcheva kolel. Le père Chini de Bessa. Point. Fin de la soubire. Avant de continuer la prochaine étape de l'Agmara, d'accord, je vais faire Tosfot, dernier Tosfot du Dafmem Amoud Rishon. Donc, on a conclu finalement, au niveau de la Lacha, qu'on ne parle pas de Rosh Chodesh à Moussaf de Rosh Hashanah, parce que Zichron Echad Olel Lekan Ulchan. C'est notre conclusion, n'est-ce pas? On y va, Tosfot. Zichron Echad Olel. De Rosh Hashanah Kitiv, Zichron Deroa, ou Rosh Chodesh Kitiv, Parashat Be'alotra, Gabe Hasosrot, Be'ayu Lachem les Zikaron. Point. Piresh Rashban. Alors, tout ce qu'on va faire maintenant, il est en plus réduit à la fin de Maseret Rosh Hashanah d'Aflamede, là-bas. Je crois que c'est le dernier tout ce de la Maseret. Il est Shashba. Dehen tzarich le'azkir mikraot shel Moussaf lo de Yom Tov ve lo de Rosh Chodesh. Kede amar Rav Chinina. Amar Rav b'shilei Rosh Hashanah כיוון שאמר ותורתך כתוב למור שוב ולא צריך כבי מלכיות זכרון ראש הפרות. ואם התחיל צריך לציים.
Donc là, je vais m'écrire. Les psukim des korbanot, ouais, on n'a pas besoin de les mentionner. Les psukim des korbanot du Moussaf, les kraot chez le Moussaf, ni ceux de Yom Tov, ouais, pas de manière générale ici. Hein. On sait que chaque lamida est par rapport au korban Moussaf. Par rapport au korban Moussaf. Est-ce que tu parles, est-ce que tu cites les korbanot dans le passouk? Dans le du pasouk, parce qu'on cite les korbanot dans la Hamida. Oui. Alors, Rashbam, il dit, il n'y a pas besoin. L'eau de Yom Tov, l'eau de Rosh Chodesh. Pourquoi? D'où t'as tiré ça? Il dit, on a dit, l'eau, Sarir, c'est pas que tu n'as pas le droit, hein? Tu n'as pas besoin. On a vu dans ma serre, à la fin de ma serre de Rosh Hashanah, Rav nous a dit, si tu dis, ouvre-toi, traque-toi, les morts, ça suffit. Bien qu'on a vu qu'on doit faire des psukim de Malchuyot, Zichronot, Shofarot, si tu dis quelque chose qui ressemble à Uftorat, Rakatouv, les morts, ou Kakatouv, Batora, ça suffit. C'est bon, t'es quitte. Alors, de la même manière que t'es quitte, la même chose au niveau des Korbanot. T'as pas besoin de rentrer dans les détails des psukim des Korbanot. Ça suffit, tu dis grossièrement, Kakatouv, Batora. D'accord? On demande, mais voilà, on a vu que celui dans le Shoshana, que celui qui veut faire le minimum de psukim, il ne faut pas qu'il en fasse moins que trois, au niveau de Zichronot, Shofarot, Malchuyot, pas moins que trois. Donc, on dit ça, si tu as commencé à faire un pasouk, tu ne dois pas faire moins que trois. Mais si tu n'as pas du tout commencé, ben, ce n'est pas grave, tu ne commences pas. C'est ce qu'il dit. Ve'ad et tanapuhet lo yifrat mishalosh, ha'inu be'itchil. Par contre, il vient mentionner les psukim. Oui. Alors, tu mentionnes. D'accord. Ou tout ou rien, en fait. Très bien. Verabenuta mefaresh. D'aïd est la frinina d'Aukab et Malchiot, Zichronot et Shofarot. Aval de Moussaf, c'est l'Ikhle Azkir, l'Ola. Aval de Rosh Chodesh, en c'est l'Ikhle Azkir. De Niftar, Bema She'amar, Milevad, Ola Tachodesh, Minhata. Vegia Bemachzoro, Ushne Seirim, Lechapel, Ushne Temidim, Kirchata. Rabbeinu Tam a l'air de nous dire, n'est pas d'accord avec ce qu'on vient de faire. De dire, et dit, Malchiot Zichronot Shofarot, tu as raison. On n'est pas obligé de dire quoi que ce soit. Mais, les psukim de Moussaf, Sarik Leazki Leolam, on doit citer. Mais ceux de Rosh Chodesh, pas besoin. Sarik Leazki. Pourquoi? Ça suffit quand tu dis, Mileva Dora Tachodesh Minhata. On dit, Mileva Dora Tachodesh, tu inclus tous les Rolot de Rosh Chodesh. Alors, c'est vrai qu'il y a des Siaïrim. Comment tu les cites cela? Eh bien, celui-là, Uegi Abe Marzoro, il a corrigé dans son Marzor, dans son Sidour là-bas, il a rajouté une phrase, on dirait. Pour parler des Siaïrim de Rosh Chodesh, il a dit Oshne Siaïrim le Chapel, Oshne Temin Kirchatan. Autrement dit, selon Rabbeinu Tam, tu n'as pas besoin de parler des Psukim de Malchuyot, Zichron de Shofarot, mais ceux des Mourkolbarot, lui, tu parles. Alors, il y a des moyens parfois de parler plus court. Voilà ce que Rabbeinu Tam nous ont dit. Que ce soit là-bas dans le Shana, il est marché sur cette chita. Et ici, juste, que ce soit rapporte que le Rabbi Israël est miral et halab de Mechlot de Chlot de Chavalot, de Mechlot de Moussaf. Selon lui, ce n'est pas mistable de faire un hilouk entre Mechlot de Chlot de Chavalot et le Chlot de Moussaf. Rabbeinu Tam, il a fait un hilouk. Il a dit Mechlot de Chlot de Chavalot, tu n'as pas bon cité, mais Moussaf, lui. Ouais. Et sur ça, Ri dit, l'homme est capable de faire un rhino. D'accord? Si tu n'as pas besoin dans Moussaf, dans Malchuyot Zichronot, tu n'as pas besoin non plus dans Moussaf. Agab, c'est un peu étonnant, mais Bémet, pourquoi je devrais faire lui un rhino? Ça veut dire, pourquoi dans Moussaf, Bémet, il faut lui dire les psukim?
On n'a même pas vu, comme ce soit il est marché dans Machat Roshna, on n'a même pas vu un Hiyouf quelconque sur ça. Alors que si Zichronot, Shofarot, Zichronot, Malchot, on a vu un Hiyouf dans les Mishnayot. Et la volonté me dit non, à l'envers. D'accord? Donc l'homme, il s'appelle Eri de faire un Hiyouf. Voyesh, Gionim, Kadmonim. Shem, Maniachim, Lomar, ou Vashachot, Shechem, Deloliti, les Azulé, Bemoradot. De Yom, Yom Shini, Ikar, qui m'a dit, Shachodashim, Shilboshana. Va-t-il m'emmener, Moradot, Yom Shini? Alors, il y a des Gionim qui ont écrit dans leur Sfarim. On ne dit pas, on ne doit pas dire, ou Vashachot, Shechem. Ouais, dans Rosh Hashanah. Attention de dire ça. Il ne faut pas du tout le dire. Pourquoi ? Pas le problème. Non ? Ah, c'est un problème. J'ai envie de dire, dis-le, Baraya. Alors, eux, ils disent pourquoi c'est un problème. Mais pourquoi ? Imaginez-vous, on le dit. Dans la tête des gens, qu'est-ce qui va se passer ? Ah, c'est comme le Rosh Chodesh en général. Dites-moi, quand vous avez deux jours de Rosh Chodesh, ouais, c'est lequel le premier? Quand vous avez deux jours de Rosh Chodesh, c'est lequel le premier jour? C'est quel le premier jour du mois? Hein? C'est le deuxième. Le deuxième jour de Rosh Chodesh, c'est lui le premier. D'accord? Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont dire le premier jour de Rosh Hashanah, c'est pas lui le Yéka. Même, même venir à faire des Melachot, je ne sais pas, mais admettons que non. Ils vont commencer à compter à partir du deuxième jour de Rosh Hashanah, si vous le Yéka, dans les autres Rosh Hashanah. Or, ce n'est pas vrai. Le mois de Rosh Hashanah, le mois de Elul, il est 29. Le 30, c'est lui le 1. Donc, on compte à partir du premier jour de Rosh Hashanah, le 1. Donc, pourquoi disent les Géonim, certains Géonim, Kadmonim, on ne mentionne pas la Sherot Shechem, ça va embrouiller les gens. Quoi? Et il dit, on voit de notre soubia à nous, on n'est pas recherché ça. Et si Bémet, on s'est recherché ça, quand la Gemara dit, est-ce qu'on dit, est-ce qu'on mentionne le Shrodesh ou pas? Ben, tu as dit que dire non, on ne mentionne pas, parce qu'on a peur que si tu viens à mentionner, il y aura un problème. Ouais. Donc, on n'a jamais dit ça dans toute la Souga, donc ça veut dire qu'on n'est pas recherché à ces Zilzoula-là. Bon, cependant, on peut dire que les Géonim, et certains l'ont mentionné, il y a eu des problèmes. Et donc, ils ont été mis à craindre de ne pas le faire. D'accord, c'est possible. Hein. C'est une Takanat Géonim. Même si dans notre Souga, on ne le voit pas, ce n'est pas méchant. Très bien. Pour défendre les Géonim de la Kouchia de l'île. Baruch Be'er Chodesh. Là-bas, le Arouf, il dit la phrase suivante. Cette phrase-là, elle apparaît dans la Gemara plusieurs fois, notamment à Gemara Rosh Hashanah, bas de la page, là-bas dans Dafhet. Il explique la phrase de la manière suivante. איזה חודש, איזה הוא החג, פרדון, שהחודש מתכסה בו, נירוש, שאין אומר ובראשי חודשיכם, לא בתפילה ולא בזולתה. אני תפילה, אני דול אבטרה, אני קוקסוס מורה. כן, לא חג, שהחודש, זה כבר שהחודש, כמו סיוני לראש חודש, מתכסה בו. מתכסה, זאת אומרת, זה קשה, זה קובר, הוא מנסיון בה. C'est quoi la fête où on ne mentionne pas? Eh bien, c'est Rosh Hashanah. On voit que dans Aruch aussi, on ne mentionne pas du tout Rosh Hashanah dans la fête de Rosh Hashanah. Pour la fin de tout ça. Ok, on continue la Sugiya. Ve'amar, on est à la cinquième grande ligne d'Afme Mamoucheni. Ve'amar Abba, qui a winan, beravuna, et bayanan ma'u lomar zman de Rosh Hashanah. Lorsqu'on était chez Ravuna, on s'est posé la question, est-ce que
on dit à Rosh Hashanah, ou bien à Kippourim, à Yom Kippour, on dit chez Ahiyanu. C'est quoi les zadim du Safer? Qui va de Mizman, Mizman, Amrinan, Ati. Pardon, qui va de Mizman, Mizman, Ati, Amrinan. Est-ce que puisque c'est d'année en année, on doit dire chez Ahiyanu? On dit ma, qui va de l'eau et très régalim, l'eau Amrinan. Bien, puisque ça ne s'appelle pas des régalim, Rosh Hashanah Yom Kippour, on ne doit pas dire Shehriyanu. Shehriyanu, c'est un règle. Ah, Shehriyanu, un règle. Voilà les zadim. Et Ravuna, l'eau a bidé. Il n'avait pas la réponse. Et Atai, Rav Yehuda, quand il est venu, Atai, lorsque je suis venu, ça veut dire lorsque Rabba est venu chez Rav Yehuda, Amar, Anna, Akara, Hadita, Nami, Amin, Azman. Moi, sur la nouvelle citrouille de la nouvelle année, je fais Shehriyanu. Oui. Amalé, Reshut, Lokami, Bayali. Reshut, que tu peux faire Shehriyanu. Je n'ai pas de question. Je sais que tu peux faire Shehriyanu si tu veux. Ma kavana, c'est, ma question, elle est, est-ce que tu es obligé de faire Shehriyanu? Kikami, Bayali, Hova. Maï, d'accord, de l'Agmara ici on voit, on peut faire Shehriyanu parfois, Reshut, pas obligatoire, même Kara Hadta, si tu veux faire, tu veux, tu fais, si tu ne veux pas faire, tu ne fais pas. Donc c'est pour ça que quand tu lui as répondu Kara Hadta, optionnel, dis-moi optionnel, je sais que je peux. Ma kavana, elle est Hova. Amale Rav Shmuel, Amale Rav Ushmuel, d'Amre Tarvayu, en Omerzma. Et là, Béchalosh Egan. Il lui a répondu, Rav Yehuda, tu sais, les deux, Rav Shmuel, que j'ai servi Rav et puis j'ai servi Shmuel, les deux, ils ont dit la même chose. On est chova de faire Shehriyanu que Shalosh Regalim. Quoi? Donc, il lui a répondu, on ne fait pas Shehriyanu, c'est ça la réponse qu'on a pour le moment, on ne fait pas Shehriyanu à Rosh Hashanah et à Kippour. Mitivé. Maintenant qu'on a ça, la Gemara va objecter. Mitivé. Ten chelek le shiva ve gam shmona. Il y a un pasouk là-bas dans Kohelet qui dit donne la part à 7 et même au 8. Donne une part au 7 et même au 8. Alors, qu'est Rabbi Eliezer Rabbi Yoshua? Rabbi Eliezer Omer, Shiva Elo, Shiva Yeme Bereshit, Shmona Elo, Shmona Yeme Mila. Ça veut dire, donne une part aux 7 jours de la création et aussi au 8e jour de Mila. On verra plus tard ce que ça veut dire. Rabbi Yoshua Omer, Shiva Elo, Shiva Yeme Pesa, Shmona Elo, Shmona Yeme Ahag. Non, donne une part, ça veut dire, donne aux 7 jours de Pessah et aussi aux 8 jours de Sukkot. Continue la Bioshua. Ukshivu Omer Vegam. Et quand on dit Vegam, Lishmona, Vegam, Haribouy, oui. Les Rabot Aser et Rosh Hashanah, Veyom Kippourim. Je viens avec le Shavuot. Rosh Hashanah et Yom Kippour. N'est-ce pas, Maïla, Wilzma, n'est-ce pas que la Kavana, quand tu donnes, c'est de faire le Shehriyanu, selon le Yoshua. Shehriyanu, donc on voit de là, a priori, que même le Shnayam Kippour, on fait Shehriyanu. Donc, Maïla, Wilzma, d'ailleurs, Aser et Tui. Donc, vraisemblablement, c'est la Kavana. Les Aser, c'est Shalosh Egalim. Lo, Libracha, la Kavana dit pas du tout. Les brachas. De quoi les brachas? Oui. On fait la bracha de Mekadesh Israël et Azemanim. Oui, on fait la bracha de Mekadesh Israël et Azemanim. Pendant les 7 jours de Pessah, pendant les 8 jours de Sukkot, et ainsi que les différents jours qu'on a cités, Aseret, Rosh Hashanah et Yom Kippourim. Akinamim est stable. La Gemara a dit à Kouri, c'est comme ça que c'est mistaber de dire qu'on parle de la bracha et pas de Shehriyanu. Pourquoi? Dis al Kadatar l'Izman, l'Izman quand tu vas à Mika. Si tu me dis qu'on parle de Shehriyanu, pourquoi on peut faire Shehriyanu les 7 jours de Pessah, par exemple? Ah, la Kashia, dit la Gemara, ça c'est pas une couchette du tout. Quoi? La Kawana, c'est de Ilam Varech
S'il n'a pas fait aujourd'hui, il peut faire demain, il peut faire sur le lendemain, etc. Pendant les 7 jours, il peut faire. Mais quand même, on a besoin d'un verre. Il ouvre l'air. Ah, l'emma mesayel el rav Nachman, d'amar rav Nachman zman, omro afilo beshuk. Ça veut dire que mesayel el rav Nachman, ça aide rav Nachman. Nachman dit, chez rien, on peut le faire même dans le shuk. Il n'y a pas de cause, on le fait comme ça en l'air. C'est-à-dire, est-ce que ça aide rav Nachman? Voilà, kashia. Déclaré, cause. Je peux te dire qu'il a eu un verre. S'il a un verre, on est le quatrième jour, il n'a pas fait le premier jour chez Arano, il peut faire la bracha de chez Arano sur le cos. Il a que malade, ça marche. Si on dit ce que tu dis, parle de chez Ariam, qui a un verre. Atina Haseret Roshashina, Yama Kipuri Mechiavit. Ça marche pour Haseret. Ça marche pour Roshashina. Oui. Mais Yama Kipuri, quand tu t'arranges, ma faire chez Hayanu. Oui, Yom Kippouri, Mechi Avid. Je suis obligé de dire comme Rav Nachman. Sinon, Mechi Avid. Sinon, comment il va faire? Il me va rechaler, Veshatile. Si tu me dis que il fait la bracha et il le boit, mais puisqu'il a dit chez Hayanu, il va en Damar Zman, Tablé Ale, il a reçu sur lui Yom Kippour. Et du coup, ça y est, c'est interdit pour lui de boire. Donc, il ne peut pas boire. Déabale Rav Yirmiya bar Abba le Rav, mi badal, vamale in badilna. La Gemara, elle ramène une preuve à ça. Rav Yirmiya, un jour, Rav Yirmiya bar Abba, il a vu Rav vendredi soir, avant que Shabbat ne rentre. Il y a eu des ananimes qui se sont rapprochés, comme ça, Rachid rapproche chez nous. Oui. Et Rav, il a fait la tfila de Shabbat, croyant que c'était le Shabbat qui était rentré. Rachid, comme ça, il dit ici, mais la Gemara là-bas, on dirait que Mehmet, Rav, il pensait vraiment faire rentrer Shabbat, pas croyant. Mais les Mfalchim, ils sont mérités sur Rachid, sur ça. Regardez juste dans les mots de Rachid. Pas Mahat, Rachid mi Badat. Pas Mahat, Mtkas, Shushamayim, Be'avim, Vitpalel Rav. של שבת מבעוג'ו, ואמלא רב ירמיה לרב מבדלת מן המלאכה, משקיבלת עליך שבת, ואמלא אין בג'ילנה. רואה, ספק, on dirait, nous, quand on lit la chose, on a l'impression que c'est par erreur. Et quand on dirait, c'est pas par erreur. Regardez le mekor là-bas, ça n'a pas l'air d'être par erreur. Donc, on voit que de cette histoire-là avec Rabbi Yirmiya Baraba, il a dit à Rav, est-ce que Mibadat, est-ce que tu t'es séparé de l'amlacha? Tu t'es interdit maintenant l'amlacha en faisant la tula? Et lui a répondu, In Badilna. Oui, je me suis séparé de l'amlacha. Oui. Donc on voit de là que quand tu as fait la Amida, par exemple, ça y est, tu as introduit Shabbat. Tu as fait le Shehan ou deux par rapport à Yom Kippur. Oui. Alors ça y est, t'as introduit la Yom Kippour, donc tu n'as pas le droit de boire. Comment tu fais alors? Si tu vas me dire livro chale vilinhe, non, fais la bracha et ne le bois pas, pose le verre. On a vu par ailleurs, mon air, c'est-à-dire chiton. Celui qui fait la bracha, il faut qu'il goûte, sinon c'est un zilzoul. C'est quoi ça? C'est un zilzoul. Pas dire la chine. Litve le nuqa. Si tu vas me dire, bon, tu vas enlever le zilzoul en le donnant à un tinok, l'est-il cheta que ravaha, dilmaatil misra. La lacha n'est pas comme ravaha. On dirait que ravaha, par ailleurs, il aurait dit, donne-le à l'enfant. Et la Gemara dit, la lacha n'est pas comme lui. Pourquoi? Parce que l'enfant, même quand il va grandir, il va continuer à boire. La chine dit, où est-ce qu'il a ravaha? Il a dit ça, il dit, je ne sais pas. De toute façon, on a déjà vu ça dans Shabbat. Bon, on va voir ça tout à l'heure. Moi, juste, j'ai fini la charla vétale d'Agmara. Dilma, Atile Misra. Donc, autrement dit, comment tu fais pour Yom Kippour? Tu n'as pas le choix de dire que tu fais 100 Shehen, 100
un verre de vin, 100 verres de vin. D'accord ? Du coup, Rav Nachman, il a raison. Du coup, je peux te dire que quand on a dit Tinhelek la Shiva Vegam Smunar, la Kavana, c'est sûr, chez Hayano. Mais ce n'est pas exclu non plus de dire qu'on parle de la Bracha, de mentionner, comme la Chine nous a dit, l'Azkir, Shel, pardon, des Vachim Kolyoma, Mekadesh Israël Vazemani. On cite la Bracha de Mekadesh Israël Vazemani. Donc, Maya Verne, la Gemara dit qu'est-ce qu'il en est alors finalement. Est-ce que Yom Rosh Hashanah Yom Kippour ont fait chez Hayano ou pas? Rappelons que Rav Yehuda nous a dit que Rav Shmuel ont dit que uniquement Shalosh Regalim ont fait. D'accord? Donc, la Gemara demande Maya Verne. Shadru Harabanan, le Rav Yemar Saba, ou le Rav Yeba Saba, Rachid Ligolès comme ça, permet de la Frida. Les Hachamim ont envoyé le Hacham. Rav Yemar ou Rav Yeva, chez Rav Hasda. Quand il envoyait un vendredi, une veille de Rosh Hashanah. Comme ça, il passe sur Rosh Hashanah avec Rav Hasda et il voit comment Rav Hasda, il est en train de faire dans le Kiddush. Est-ce qu'il dit chez Hayan ou pas? Donc, ils ont envoyé Kamed et Rav Hasda, Bemaali Yumad et Reshata. Amroule Zil Hazi et Ri Avid, Ovada. Taïmala, veut Taïmala. Va voir comment il fait et vient nous dire. Et Hazier, lorsque Rav Hasda a vu Rav Yeva, ça va, ou bien Rav Yemal, ça va, ouais, Amalé, il lui a dit Deluya l'artiva à Rav Salé Bedoukte. Quelqu'un qui soulève un bois qui est humide, donc qui n'est pas utile à la combustion. C'est parce qu'en fait, il a besoin de la place qui est en dessous. D'accord ? C'est-à-dire, la place que prend le bois, le stress, il a besoin de cette place-là. C'est ça, Rafsa. Oui, Rafsale Bedurte. D'accord ? Donc, il a besoin de place, c'est pour ça qu'il l'a pris. D'accord ? Il ne va pas le brûler parce qu'il est ratouf, il est encore humide, le bois. Comme on dit, il voulait lui dire quoi ? Par ça. Tu es venu jusque-là, comme dit Rashi. Al-Hinam Lobat Alekan. Tu n'es pas venu ici pour rien. D'accord? Tu es venu me voir, c'est parce que tu voulais apprendre quelque chose de là. Ok. Aïtoule Kassad et Hamra, Kadish ve Amar Zema. On a amené un verre donc à Rav Hasda, il a fait le kiddush et il a dit chez Ahyan. Oui. La vérité, on ne sait pas de là ce qu'on a une preuve de là. Pourquoi? Parce que là-bas, il a dit, un couchage pour la Gemara. Là-bas, il a dit, Rishut lo kame bayali, chova kame bayali. Et là, le fait qu'il ait fait, chova, zelo, ce n'est pas une preuve. D'accord? Le fait qu'il ait fait, ce n'est pas une preuve, c'est Rishut, ce n'est pas chova. D'accord, peut-être que Rav Hasda il a compris pourquoi il est venu. Et si BMS c'était que le shoot, il l'aurait pas fait. Comme ça on voit que c'était pas obligé de le faire. Que le faire, si tu veux le faire, tu peux le faire. Mais si tu l'as pas fait, c'est pas Chova. Donc il aurait montré ça à Rav Yeva Saba. Oui. Peut-être qu'on peut répondre. Oui, le Cheta. Maintenant la Gemara tranche clairement en noir sur blanc. Oui, le Cheta. Omer zman berosh hashanah v'yom kippourim. On dira, on a le devoir de dire, chez Hayan, à Rosh Hashanah, si Kayom Kippour, Vilcheta, Zman, Omro, à Filo, Bashur, Kamram, Nahman, à la fin, elle est que le Zman, on peut, d'ailleurs, comme ça, on est obligé de faire pour Yom Kippour, comme le Zman, le chez Hayan, on le dit à Filo, Bashur, sans aucun verre. Wow. On se faute. L'étilcheta, kiravaha bar Yaakov. Kiresh Rashi, veloit perash. Rashi nous a dit que ce n'a pas été expliqué. Verabé Nochanel Piresh, de Bepel Tolin dans Maseret Shabbat. Gabek Shuta, là-bas, on parlait du houblon. D'accord, qui pousse dans des orties.
est-ce que c'est un djinn de comme une Torah, comme un Hesed, ou bien un djinn de arbre? Auquel cas, si c'est comme un arbre, on peut le planter avec la vigne. Oui. Bon, il y a une mahloket là-bas. Et là-bas, la Gemara, elle pose la question, hein, Parir, Velitiv, Linuka, d'Israël. Pourquoi ne tu, pourquoi? Parce que la Gemara, là-bas, elle a dit, donne-le à un petit enfant goy qui le fasse. Et la Gemara, elle marche là-bas. Pourquoi je ne dis pas un enfant un juif, un petit enfant juif? Comme ça, n'est-ce pas, Dilma, Atil, Misrach. Et la Gemara répond, Dilma, Atil, Misrach. Oui. Et Rabbeinu Hananel dit, Vekimlan. Et il faut avoir une Kabbalah. Là-bas, quand le marché a posé la question, pourquoi tu ne donnerais pas ça à un enfant juif? Oui, tu donnes l'argent à l'enfant juif pour qu'il plante. Oui. Le Ben Hanan dit, Kaimalan, on a reçu au Bekabbalah que le marché, c'est la Vahabar Yaakov. Donc voilà où la Vahabar Yaakov a dit ça. Au soir d'après, Dilma Atil et Misrach, on a déjà vu aussi ce soir-là dans ma Masechet Shabbat, Omer Rabbeinu Shmuel, Dauka Gabe Zman, Shiokavu, Haishinan Dilma Atil et Misrach. Il dit le principe de cette crainte-là, que peut-être Atil et Misrach, on le crée uniquement quand c'est quelque chose qui est fixe. Enfin, par exemple, là, c'est tous les Yom Kippour. Ouais. Alors, on va dire Yom Kippour, le bonhomme, il boit. Il va boire même quand il va être grand. Avalim Yera Brit Mila, Bitcha Beavo Yom Kippour. Et si maintenant il y a une brit mila, Tchabéa, vous yom kippour. D'accord? De l'oave et la traï, Béalma. Donc c'est quelque chose qui est accidentel, quoi. De rare fois, comme ça, de manière ponctuelle dans le temps. Alors dans ce cas-là, il n'y a pas de souci. L'o haïshinan dilma atli misrach. On ne craint pas. Et donc on donnera à l'enfant à boire. Un chidouche, hein. On m'a assez aïa, béchoupa, béasala betevet. Il y avait une histoire, c'était dans un mariage qui était le 10 Tevet, comme cette année, la vendredi, oui. Le 10 Tevet, c'est vendredi cette année. Là, c'était un, on ne sait pas quel jour c'était, mais c'était donc le jour de jeûne. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Natnou akos letinok lishtot. Ils ont donné le verre à l'enfant pour boire. Donc, ils ont fait un mariage le 10 Tevet. C'est curieux, ça, hein? Ils ont fait un mariage le 10 Tevet. Heureusement qu'ils n'ont pas fait le tchaveuf. Non, elle, c'est quoi? C'était pour faire l'économie de la Serouda ou quoi? Ils étaient confinés. Ah, hein? Ils étaient confinés. Ouais. Très bien. On m'a assez aïa, bibrit mila berabenu Yaakov bar Yaakov, shehal asara be'av be'had be'shabbat. Ça, c'est une histoire qu'un de mes enfants, j'ai eu aussi cette histoire-là. Un de mes enfants, la bibrit mila, c'était le 10 av. Donc, un Tisha B'Av qui était tombé Shabbat qu'on a repoussé à dimanche. Il y a 8 ans. Oui, oui, je me rappelle de ça, je crois. Tu te rappelles? Alors, Maase Aya Bebet Mila Berabenu Yaakov Bar Yeter Shehal Be'asara B'Av Be'had B'Shabbat Veo Aya Bejin. C'est ça, Gavra. Ouais. Vesiwa Leitpalel Mincha Gdola. C'est comme ça qu'on a fait aussi. On a demandé à faire Mincha Gdola. Et après, ouais, va aller Brit, Rahs. Ve'achlu. Ils ont mangé, ils sont lavés. C'est interdit de se laver, ouais. Ils sont lavés. Et ils ont mangé. Ils prenaient chez Yom Tov, chez la haine, aïa. Parce que c'est Yom Tov pour Kedirtiv, ça, ça, nochi, alim, la terre, qui m'ose, shalal, arabe. Veaï, de l'homme, et varchinan, shehriyanu. Ah, si c'est une grande fête, pourquoi on ne fait pas shehriyanu? Pourquoi on ne fait pas la bracha de shehriyanu? Mishum sara, jinuka. À cause du sar, du bébé. Tosfot sans. Baruch Adonai le'olam. Amen. Amen. C'est bon? On s'arrête à 2-3 lignes avant la fin du Ham. On commencera un nouveau sujet, Bézat Hachem, donc mercredi. Bézat Hachem. Amos, il reprend ses cohortes comme il faut. Ouais. Au hasard, tu as tenu jusqu'au bout. Hein. Ah, j'ai essayé. Hein. Vous avez un nouveau confinement là en Israël ou c'est nouveau aujourd'hui ou c'est normal? Depuis hier.
Emmanuel, t'as entendu, toi, ce qu'il y a de neuf ici chez nous? Ce qui a donné quoi? Est-ce qu'il y a du neuf chez nous? Pour l'instant, non, mais peut-être après, après dimanche, le 4. Le 4? Il faudra voir ce qui va se passer après le week-end prochain. Ok, bon, allez, Hachem Yazor, Hachem Yazor. Il faut attendre jusqu'à le 4 avant le corona. Bon, Hachem Yazor, allez, colto. Bye bye. Allez, colto.